Derrière les barreaux de cette prison malgache, des prisonniers dont les conditions carcérales se sont encore un peu plus dégradées après le passage de Batsira et Emnati. Entre le 5 et le 22 février dernier, ces deux cyclones ont dévasté la côte est de Madagascar. Le toit de la prison de la ville de Mananjari a été littéralement arraché. Depuis, il a été reconstruit et les prisonniers ont été réintégrés dans leurs cellules, mais persistent d'autres problèmes, notamment le manque d'eau potable et de nourriture qui engendre des situations de malnutrition sévère et aiguë, sans compter les maladies. Le district de Mananjari a été frappé de plein fouet par le cyclone Batsirai et ses rafales de vent atteignant 235 km/h. Les nombreuses intempéries qui ont frappé la grande île depuis le mois de janvier ont fait près de 200 morts et des centaines de milliers de sinistrés. Dernière en date, la tempête tropicale modérée Gombe qui a touché la partie nord de Madagascar, provoquant de grosses inondations et laissant les routes impraticables.